Méthode de français, l'arbre au mot, cahier d'activité. Alors aujourd'hui, on va corriger des activités de la leçon d'orthographe. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Il s'agit de la correction des exercices d'orthographe. Alors, vous pouvez tout simplement avoir une révision. Alors, aujourd'hui, on va voir la correction des activités d'orthographe à la lettre C. Vous pouvez consulter votre manuel passant 1. Et aussi, je retiens page 63. Alors la lettre C transcrit par le son K, le son S et le son CH. Le son K, lorsqu'elle est suivie des voyelles comme A, O, U, K, K, Q, un carré, un côté, un cube. Le son K, lorsqu'elle est suivie des consonnes comme L ou R et parfois H, comme un cri, une clé, un cœur. Le son C lorsqu'il est suivi des voyelles comme E ou I ou Y, lorsqu'elle porte une cédille devant les voyelles comme A ou U, comme une trace, comme le ciel et le son. Le son ch lorsqu'elle est suivie de la lettre h comme une chanson. Alors, souligne les mots dans lesquels la lettre c se prononce k. Je vais souligner les mots dans lesquels la lettre c se prononce comme k. D'abord, la lecture cabot, cantine, chapeau. Couleur, trace, cigale, classe, reçu, tricot, façon, culotte. On souligne les mots dans lesquels la lettre C se prononce K. Comme l'exemple de cadeau. Tricot, cantine, classe, culotte, couleur, compte. Alors cadeau, tricot, cantine, classe, culotte, couleur et compte. Deuxième activité, ordonne les syllabes et écrit les mots. Néma si, c'est-à-dire cinéma. Ordonne les syllabes et écris les mots. Par exemple, ici, cinéma, cinéma. Ici, c'est limaçon, limaçon, limaçon. Ici, c'est facile. C'est comme nous sur notre chaîne, c'est facile, facile. Ici, c'est centaine, centaine. Ici c'est police, hein, la police. Ici c'est remplaçant, remplaçant. Je parle ici du joueur, les remplaçants. Quels sont produits la lettre C dans ces mots ci-dessus, K ou S? Quels sont produits la lettre C dans ces mots ci-dessus, K ou S? C'est bien sûr CS, CS, CINIMAS, les maçons, facile. Centaine, police, remplaçons. Alors je trouve ici c'est. Les CD ont été effacés, à toi de les remplacer si nécessaire. Alors il est mince, non. Un garçon, oui, je dois mettre ici un CD. Une balançoire, je dois mettre ici un CD. Elle est déçue. Alors je dois
3 mètres. Ici, c'est dit. C'est dit ici. En français, c'est dit. Normalement, lorsque je vois O, je prononce comme co, mais c'est dit, je prononce comme so. Un garçon, une balançoire, elle est déçue. Un commerçant aussi. En français. Dans les mots représentés par les images ci-dessous, on entend le son ch. Par exemple, ici, cheminée, chat, cheval, autruche, cheminée, chat, cheval, autruche. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance de français était vraiment très intéressante pour la plupart des élèves. Suivez avec moi sur notre chaîne Je Communique TV. C'est vraiment facile.